les iliaques, le sacrum, les ligaments, les muscles. Les iliaques, deux iliaques, qui ont comme repère EIAS, crête et IPS. Les EIAS étant la partie de l'iliac la plus mobile. Quand nous écoutons des iliaques, nous écoutons au niveau des EIAS. Le mouvement physiologique, c'est EIAS en bas, en avant et en dedans, vers les branches pubiennes, EIAS en haut, en arrière et en dehors. Rotation antérieure d'iliac sur inspiration, rotation postérieure d'iliac sur expiration. À l'écoute des deux iliaques, si nous n'avons aucun mouvement sur un iliac, nous considérons qu'il y a une lésion dite traumatique en trois points hauts, c'est un iliac globalement ascensionné. Si nous avons un mouvement en roue voilée dans un seul sens, nous parlons de lésion physiologique. Si la roue voilée est antérieure, il s'agit d'un iliac en rotation antérieure, lésion physiologique. Si la roue voilée est postérieure, il s'agit d'un iliac en lésion postérieure. Il va bien en arrière et pas en avant.